Entre 1850 et 1852, Alexandre Hesse peint la vie de Sainte-Geneviève sur les murs d'une des chapelles de l'église Saint-Séverin. Les épisodes choisis sont tirés de l'hagiographie classique autour de la sainte, dans un style italianisant au visage expressif. Hesse a été l'un des grands espoirs de la peinture française dans la première moitié du XIXe siècle et réalise ici son premier décor dans une église parisienne. L'une des scènes illustre le rôle qu'a joué Geneviève lors du blocus de Paris par Childéric. Geneviève fait affréter des convois de blé et de farine pour ravitailler la ville et nourrir les Parisiens, notamment les plus pauvres, à qui elle réserve les meilleures portions de pain. Geneviève est alors vierge consacrée, mais participe aussi à la direction de la ville et s'impose comme une femme d'affaires et une femme politique avisée. Consacrée à Dieu, agissant au nom du Christ, exerçant librement et de façon responsable son rôle civique avec et pour les autres, Sainte Geneviève est une figure de la participation.